mon frère. Pour Israël! Pour Israël! Tiens-toi tranquille, et je te promets de pas lui faire de mal. C'est clair? Vous êtes israélite. T'as entendu parler de nous? Vous avez un dieu qui gouverne les vents, et qui partage les eaux des mers. Il nous a délivrés d'esclavage. Nous sommes ses élus. Tout le monde à Jéricho redoute votre venue. Comment combattre un peuple dont le Dieu est si puissant? Ouvrez! Ouvrez! Rentre chez toi! Ouvrez la porte! On peut sortir par derrière? Aide-nous et nous t'aiderons à notre tour. Allez-y. Je vais essayer de les retenir. Viens avec nous. Non. Je ne peux pas abandonner ma famille. Lorsque notre armée viendra, accroche ça à ta porte. De cette façon, ils sauront qu'il ne doit vous être fait aucun mal. Ils passeront leur chemin, tu verras. Pas dans les murailles. Mais il y en a une dans leur cœur. Josué, on a rencontré une femme. Dieu a déjà conquis cette ville, selon elle. Les habitants sont terrifiés parce qu'ils savent qu'il est à nos côtés. Bien sûr qu'il est à nos côtés. Il reste à trouver un moyen d'entrer. De Dieu. Je mène l'armée du Seigneur. Savez-vous ce qu'il attend de nous? Dieu a partagé les eaux de la mer Rouge pour Moïse. Pour toi, Josué. À la roche. Voilà ce que tu dois faire. Une fois par jour, tu marcheras autour de la ville avec tous tes combattants. Et ce, pendant 6 jours.
transporterez avec vous l'Arche d'Alliance qui renferme les tables de la loi. Enfin, le septième jour, vous marcherez 7 fois autour de la ville. Ensuite, les prêtres feront retentir longuement leurs cornes de bélier. Dès que vous entendrez le son des trompettes, vous pousserez tous un cri long et puissant. Ça commence ! Et la gloire sera vôtre. Et sa famille doivent être épargnées. Le Seigneur a dit qu'elle devait être épargnée parce qu'elle nous a apporté son aide. Sa promesse. Si l'on obéit au Seigneur, tout est possible! Israël! 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 Les enfants d'Israël sont entrés en terre promise. Mais ils sont entourés de nombreux ennemis. Mieux armés et mieux formés, les Philistins représentent la plus grande des menaces. N'ayant plus à leur tête de grands meneurs d'hommes tels que l'étaient Moïse ou Josué, les enfants d'Israël doivent désormais compter sur les héros des tribus d'Israël que l'on nomme les juges, et dont fait partie Samson. Par ici, mère.
Quand ce cauchemar prendra-t-il fin? Je l'ignore. Tu dois combattre les Philistins. C'est ce que notre Seigneur attend de toi, mon fils. C'est pour cette raison qu'il t'a donné vie. Souviens-toi de ce que m'a annoncé son messager. N'aie crainte. Bien que tu sois stérile, Dieu va te donner un fils. Je vous remercie. Mais écoute bien, il y a des conditions. Tu dois veiller à ne rien manger d'impur et à ne pas boire d'alcool. Après sa venue au monde, ses cheveux ne doivent pas être coupés. Cela voudra dire que l'enfant est un Nazaréen, qu'il est dédié au Seigneur depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Il aura pour tâche de délivrer Israël de l'emprise des Philistins. Ta force exceptionnelle est un présent de Dieu. Ton devoir est de chasser les Philistins de nos terres. Mais au lieu de combattre les Philistins, Samson tombe amoureux et épouse l'une de leurs femmes. Aller lui parler. Oui, vas-y. Mère, l'amour n'est-il pas un présent de Dieu? Que voulais-tu que je fasse? Que je rejette la femme que j'aime simplement parce que c'est une Philistine? Crois-tu vraiment que ton amour pourra nous protéger d'eux? Nous devons envoyer à ces Israélites un message clair. Ils ne doivent pas nous voler nos femmes. Nos deux peuples ne doivent pas se mélanger. Comment faire pour s'en prendre à lui? Ce n'est pas lui que nous allons châtier. Ouvrez! Où est Samson? Je n'en sais rien. Où est-il? Il n'est pas ici! Père! Allez-y. Je vous en prie. Non. Ton mariage est un déshonneur pour notre peuple. Je vous en prie. Non. Ne lui faites pas de mal. Oh, non. 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 Pitié. Pitié, faites pas ça, je vous en prie. Pitié. Pitié. Ma femme.